Donc, ce soir, à nouveau, nous sommes réunis pour ce dernier stage. Un travail magnifique sur un thème bien particulier, celui de l'Afrique. Nous avons le remarquable tableau ce soir avec le très beau volume. Et avant de vous laisser apprécier notre retour, je vais demander donc à Violette, qui est à la base de ce travail formidable, hein, qui est ce petit moteur qui permet aux personnes de faire des choses formidables, de nous dire quelques mots. Déjà, bonsoir et merci d'être venu. Nous sommes très heureux de vous avoir ici ce soir. Donc, cette année encore, nous présentons les parents des élèves, donc principalement les adultes cette année. Quelques adultes sont assez brillants, aussi qui sont mélangés au tableau des adultes. Donc, les disciplines qui sont enseignées sont le dessin, l'acrylique, la peinture à l'huile. Et donc, cette année, nous avons décidé d'utiliser la logique. Que nous avions décidé de mettre en place déjà l'an dernier, c'est-à-dire de partir sur un thème. Nous avons commencé à faire un état avec nous. Maintenant, nous faisons chaque composante, l'origine de chaque composante de la société de l'UPN. Nous avons commencé par l'Afrique et ainsi le résultat du travail qui a été effectué cette année par les élèves. Je vais en profiter aussi pour pouvoir un petit penser pour les élèves qui sont parmi nous et qui a fait un travail intéressant sur l'Afrique l'année dernière. Je félicite particulièrement tous les élèves qui ont passé, qui ont travaillé le plus, c'est de le dire, parce qu'il y a énormément de travail qui a été effectué. On peut dire qu'ils ont énormément travaillé pour arriver à ce résultat que vous allez voir ce soir. Je félicite particulièrement Isabelle Hoffman, qui a été sélectionnée pour réaliser le droit de voir l'affiche et l'exposition. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui participaient à tout cela, en particulier Mme Nouvelle, notre directrice, qui chaque année rend les choses faciles. Également Patricia Rachid, Louis Bazzaro, qui est très important pour cette réalisation, cette exposition. Également, remercier bien sûr la municipalité, M. le maire, et aussi Margot Robo, qui a bien voulu encore cette année. Cette animation musicale qui va à travers le thème de l'exposition. Tout à l'heure, vous allez avoir fait un rafraîchissement et donc, pour le moment, je vous invite à faire le tour de l'exposition. Merci beaucoup. Alors, les applaudissements de la Chancelette et tous nos élèves fidèles, qui sont habituels, cette année sont de plus d'aise.